Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très énervée. Non, voilà. J'ai l'enlevé carrément, wesh. Je suis trop énervée. Genre, vous voyez, à ce qui paraît, il y a une meuf à Châtelet. Elle parlait de moi. Maintenant, moi, j'ai jamais su c'était qui. Du coup, je dis coucou à Wendless et tout. Wendless, il me dit ah, mais KBD, il y a la meuf que tu cherchais. Parce que la meuf, elle était venue en privé. Je l'ai bloquée. Elle me dit ouais, toi, je vais t'attraper. Je vais te frapper quand je vais te voir. Mais genre, après, maintenant, à la fin, elle change de phrase. Elle dit ouais, mais en fait, je suis enceinte. Ça sert à rien qu'on se batte. Et toi, moi, tu me dis tu vas me taper. Aujourd'hui, tu vas me taper. Genre, tu vas me taper pour de vrai. Tu me tapes. Maintenant, du coup, Wendless, il me dit c'est elle. Rakim, je lui ai même pas dit son. Il me dit mon bisou. J'ai dit attends, j'arrive. Donc j'y vais, tout ça. Je lui dis ah, vas-y, viens, on va discuter. Parce que vas-y, j'avais pas envie de faire du scar devant tout le monde pour faire carré. Ouais, non, non, non. Maintenant, je l'attrape, je la mets dans un coin. Je lui dis ouais, c'est quoi ton histoire? Comme quoi tu vas me frapper? T'as fait sauter mon compte? Elle sait pas que même si moi je m'en fous de faire sauter mon compte. Wesh, depuis on me fait sauter mes comptes, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, la première personne qui fait sauter mes comptes, je sais c'est qui, donc je m'en fous en fait en vrai. Parce que je peux refaire un compte. Là, je peux refaire un compte. Je dis ouais, faites-moi des pubs, vous me faites une pub, je retrouve mes 30K, tout ça, je sais pas. Je fais n'importe quoi, je vais retrouver mes cas, vas-y, je m'en fous. Genre, j'en veux pas, j'en veux normal. Genre, je m'en bats les couilles. Je vais pas mourir pour des abonnés, enfin, je sais pas, bref. Maintenant, c'est quoi? C'est pas. La meuf, elle me dit ouais, on a pris mon ordinateur pour prendre ton nom. Et après, genre, mon ordi, il hack tout le monde. J'en ai rien à foutre. Moi, je voulais juste savoir pourquoi elle a dit elle va me frapper avec son gros ventre, son enfant, là, soi-disant son enfant. Donc, du coup, au début, je lui dis, bah vas-y, c'est qui a fait sauter mon compte si c'est pas toi? Parce que ça se voit que c'est elle, genre, déjà, elle avait le seum contre moi ou je sais pas. Bref, je sais pas. Maintenant, clac, tirage de cheveux. Bon, elle a tiré ma perruque. Bon, la perruque, elle est encore entière, ça va. Dieu merci. Je me serais fait engueuler pour rien du tout. Maintenant, du coup. Je mettrai. Mais j'ai déjà mis le lien d'où ils viennent mes fossiles. Hein. Je mets tout le temps. Bref, je rigole. Et genre, maintenant, c'est quoi? Bah, vas-y, j'étais en train de la frapper. Linkers, il vient de séparer. Or que Linkers. Linkers, c'est le mec qui m'énerve le plus. Le mec, quand je le sépare, il me crie dessus, il me dit KBD, je vais te frapper. Quand c'est moi, maintenant il vient séparer. Et Linkers, putain. Rakim aussi. Rakim, il m'a tiré. Oh, Rakim, il a de la force, hein. Il m'a tenu. J'arrive même pas à bouger. Rakim, il m'a tenu, j'arrive même pas à bouger. J'ai fait putain. Non, mais celui qui m'a le plus énervé. Alors là, celui qui m'a vraiment très énervé, vous savez, c'est qui? C'est Petit Orange. D'où il vient me tenir. Parce que ce serait lui. Ouais, casse-toi de ma vie. Casse-toi, non, 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 je sais pas. Maintenant, il vient me séparer. J'en ai rien à foutre que tu sois enceinte. T'as dit, tu vas me taper avec ton enfant. Moi, comme elle a un enfant, je vais lui montrer comment on perd un enfant. C'est plus rapide. Elle avait même pas besoin d'avorter, là. J'allais lui montrer comment on perd un enfant. J'étais que en train de mettre des coups de pied dans son vieux ventre, là. Son ventre rond qui s'éparpille. On dirait un planisphère. Eh, hey, maintenant. Maintenant, c'est quoi Maintenant, la petite, elle a 14 ans. Mais maintenant, elle baise avec tous mes pigeons. Mais je comprends pas. Parce que, en fait, il y avait un pigeon qui me parlait d'elle, mais moi je comprenais pas c'était qui. Je vois toujours pas c'est qui à chaque fois. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai rencontrée. Askip, elle traîne toujours à Châtelet, et maintenant, elle disait qu'elle travaillait à Sephora. J'ai dit, donc toi, à 14 ans, tu vas aller travailler à Sephora. Elle disait qu'elle faisait 14h, 18h à Châtelet, et genre maintenant, elle faisait semblant d'avoir un badge, Askip. J'ai dit, mais. Okay. Bref, en tout cas, s'il vous plaît, quand vous voulez me taper, tapez-moi directement. Genre, c'est pas à moi de mettre le. Je déteste mettre le premier coup, mais elle m'a laissé mettre le premier coup. Elle m'a laissé mettre le premier coup. Non, mais je suis. Je suis archi. Archi. Je sais même pas comment décrire la chose. Là, je suis vraiment énervée. Jusqu'à j'ai fumé du shit avant d'entrer. Parce que là, j'étais vraiment énervée. Très énervée. Genre, je suis partie avec les mecs d'en bar que je leur parle pas. Je dis, excuse-moi, qu'il y a du shit, s'il vous plaît. Je sais pas rouler. Aujourd'hui, j'essaie de rouler. Ah, je vous cache pas. Ils étaient choqués. Non, mais j'ai pété les plombs. S'il vous plaît. Dites à vos gens, quand vous voulez me taper, tapez-moi pour de vrai que vous soyez enceinte ou pas. Tu vas me taper, je l'ai bloqué, je l'ai. Aujourd'hui, là. De toute façon, j'ai même pas fini avec toi. T'es parti dire à la Gare du Nord, ouais, je sais pas quoi, t'inquiète même pas. On va s'attraper encore.
vais te frapper encore. Et puis voilà. De toute façon, en fait, j'avais oublié que moi j'enlevais les perruques avant de me taper. Mais en fait, je voulais juste lui montrer que moi et toi, on... Voilà quoi. Genre, voilà. S'il vous plaît, dites-lui. Plus jamais de sa vie, elle vient oser me dire qu'elle va me frapper alors qu'elle a un enfant. Elle a collé sa perruque, maintenant la perruque elle s'est décollée. Mais elle a collé que là. Que là. Hein. Non, c'est tu colles la perruque et la perruque elle se décolle. J'ai pas collé la perruque, j'ai collé là, seulement. Ici. Mmh. Là, pourquoi et là. Mais parce que j'ai juste envie de coller. Parce que si elle voulait vraiment coller la perruque, elle aurait tiré, là je l'aurais encore plus frappé. Hein. Ah mais c'est pas grave, je m'en fous. De toute façon, je comptais même pas. En fait, je comptais même pas me battre aujourd'hui. Je voulais juste faire la fraîche. Malheureusement, j'ai fait la fraîche. Hein? C'est bien fait. Bref, en tout cas, je voulais faire la fraîche. C'est bien fait. Je m'en fous. Moi, je lui ai pas dit de me tenir. Je lui parle même pas. Enfin, je sais pas. C'est ton pote à la base. Ah oui. S'il vous plaît, dites aux gens qui veulent me frapper, qui viennent me frapper quand je suis niaf. Pas quand je suis comme ça et j'ai une cible en vue. C'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. Bref, sinon, j'espère que vous allez bien. J'ai même pas fait mon teint, les amis. D'ailleurs, je crois que je vais plus le faire. Je suis mieux sans teint. Par contre, quand je vais aller en soirée, je vais aller en natte collée direct. Regardez les natte collées qu'elle m'a fait. J'aime trop ces natte collées. Putain. Ça me fait mal. Voilà, je préfère sortir comme ça. C'est ça, c'est plus mon univers. Genre, j'aime trop mes nattes collées. Je préfère sortir comme ça. J'ai pas mis de fond de teint. Est-ce que tu peux lui faire rentrer les fraises qui sont en haut? Tu vois, il y a des fraises qui sont pas, qui descendent pas en haut. Il fallait les rentrer avec le film. Je préfère faire au crochet. Enfin, c'est mieux faire au crochet qu'avec les fils. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi mon histoire. Je suis très fatiguée. Je vais aller dormir parce que cette semaine va être mouvementée. Ma semaine va être très mouvementée. Je vais pas être là pendant tout le temps. Je vous cache pas, je pourrais plus faire des story time tous les jours. À partir de. Je sais plus. Ah ouais? Merci, c'est gentil. En tout cas, c'est pas à cause de vous que j'ai embellie. Hein. Je vous dis tout de suite, au cas où on va mettre les choses au clair. Parce que après les gens vous allez dire ouais c'est à force de te critiquer on t'a glow up. Ah non. Vous m'avez toujours critiqué, c'est pas aujourd'hui que. Parce que vous m'avez critiqué genre que je. Non, j'ai pas changé à cause de vous, vous inquiétez pas.